Bonjour à tous, je suis R, vous êtes sur PK9, et on joue à Skyrim, c'est l'épisode 15. Et donc là, je suis arrivé à Vendôme, et j'ai 2-3 trucs à faire. Donc premièrement, apporter le journal de Windolius à Vendôme, c'est le journal que j'ai trouvé dans les tertres. Je dois rapporter note de Sandas à Quintus, donc ça c'est une petite quête. C'est un elfe qui m'a donné ça, près d'une mine. Et je dois m'adresser à Aventus Aretino. J'ai aucune idée de qui c'est, mais apparemment c'est un mage qui fait de la magie noire. Bon voilà, ça a l'air intéressant. Il fait jour, il fait beau. Enfin bon, c'est assez nuageux, mais il fait froid. Ne vous approchez pas de la résidence. Ça marche. Donc on me dit qu'il faut que j'y aille, mais ils veulent pas que j'y aille. Qu'est-ce qu'on a là? Donc ça, je crois que c'est les écuries. Voilà, donc pour montrer où est-ce qu'on est sur la carte. On est là. Je vais supprimer la destination personnalisée. Comment je fais? Je fais pas comme ça. C'est pas en appuyant sur B que je vais supprimer. Je vois pas mal de gens qui se plaignent que sur console c'est pas terrible. Bah sincèrement, moi je prends pas mal de plaisir hein, quand même. Mon ordi il est pas super puissant. Mais bon, les décors sont pas terribles mais on s'y fait et je trouve que l'ambiance est géniale, la musique. Le jeu est vraiment bien fait. Hein. Là, on va rentrer en Vendôme. Salut. C'est le territoire des sombrages. Ouais. C'est parti. Un petit ours. Ok. Donc, ouais. J'ai une quête annexe où il faut que je tue 10 ours. Faut que je puisse les trouver. Je sais pas où ils sont. Ok, donc nous voilà dans Vendôme. Vous mangez notre nourriture, votre puanteur pollue notre air et vous refusez d'aider les sombrages. Mais nous n'avons pas pris parti parce que ce combat n'est pas le nôtre. Des elfes qui se font engueuler. Ok. Les villageois m'appellent capitaine car je suis un ancien marin. Ok. Qui sont les citoyens importants de Vendôme? Un auteur nommé Adonato loge à l'auberge. Il a publié plusieurs œuvres de fiction historique. La majeure partie de l'or de la ville sort des poches des clans Brise-Bouclier et Cruel-Mère. Ok, intéressant. Naturellement, il y a aussi Ulfric, Jarl et futur haut-roi. Oh, et cette petite fouineuse de Viola Giordano. Elle fourre son nez dans les affaires de tout le monde, ce qui implique qu'elle est influente en quelque sorte, j'imagine. Ok, les gens parlent de meurtre. Quel genre de capitaine êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a à faire en ville? Les gens parlent de meurtre. C'est épouvantable. On dirait qu'un tueur court en liberté à Vendôme. À ma connaissance, il a fait 3 victimes. Mais il pourrait y en avoir davantage qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles étaient toutes de jolies jeunes femmes. Espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présenteront à la hache du bourreau. Ok, bon. Bon vent et merci, Mercal. N'importe quoi, on est en pleine montagne. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur qui coupe du bois? Tout va bien? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Pourquoi ils disent tout ça? Je m'appelle Nils. Je suis le... Ah. Là, je vais pouvoir utiliser la forge. Ah. Bon. Quelqu'un est en train d'utiliser. C'est génial de travailler à Vendôme. Je peux voir une frite de près. Je pourrais voler des lingots de fer, mais je vais pas le faire. Vous me connaissez, c'est pas mon style. Alors... sur la carte. On va supprimer le repère, voilà. Et carte locale, hein. Bah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est la fiole blanche, rapporter note de Sandas à Quintus, ok. Et ça, c'est apporter le journal à Windolus. Je suis juste à côté, on va aller à la fiole blanche.
peut être ici l'entrée. Je suis très en forme depuis que notre fille nous a été. Non, merde. Pardon. Voilà. Ah. Maître, vous donc êtes là, on est dans un... pour un tel voyage. Nous ignorons ce qui se trouve dans un magasin d'alchimie. Je peux Urelion a l'air malade. Vous n'allez pas bien. À Quintus Naval, donc c'est à lui qu'il faut que je donne les documents. Bah, s'il y avait un tonique. Sondas m'a demandé de vous livrer quelque chose. Bon sang. Les mineurs du guet du sombre flot ont besoin de médicaments. Oui. Je vais m'occuper de cette commande en priorité. Tenez, prenez ces quelques septimes. Merci beaucoup. Ah, j'ai de l'or en plus. Donc je suis riche. Et puis on va pas. Donc Urelion, ça a l'air d'être le chef. Je à propos de quoi vous disputiez-vous? C'est le fruit du travail de toute une vie. Tout simplement. J'ai enfin réussi à trouver l'emplacement de la fiole blanche, mais ce fouineur sénile ne me laisse pas aller la chercher. Dites-moi où trouver ça et je m'en charge. Vous feriez ça? Qu'il est bon de savoir qu'il y a des gens volontaires pour aider un vieil homme. Elle est enterrée avec Curalmil, son créateur, Curalmil. Dans une grotte abandonnée depuis fort longtemps, située à l'ouest. À l'ouest, d'ici. Ok. Curalmil était rusé, même mort. Vous aurez besoin des compétences d'un maître alchimiste pour atteindre l'endroit où il repose. Heureusement pour vous, j'ai déjà préparé la mixture. Tenez, la voici. Je vous en prie, dépêchez-vous. J'ai perdu suffisamment de temps à me disputer avec mon imbécile d'assistant. Il est pas sympa, lui. Mixture de Nurelion. Qu'est-ce que vous okay, faites encore là? Super cool le mec. Cette... Tiens, laboratoire d'alchimie. Je vais faire un. Je vais fouiller un peu. J'aime bien apprendre. J'ai appris à faire tout ça. Tiens, du BL, donc du blé. On va utiliser ça avec quoi? Avec du lys. Du lys rouge. Alors ce que ça donne, artisanat, c'est parti. Ah non. Bon. Ok. Pas encore. Je suis désolé. Il me semblait qu'avec du blé, on pouvait faire de la potion de santé. Il me semble que je me souviens que d'un seul ingrédient dans que l'alchimiste m'avait donné dans un des épisodes précédents. Bon, donc là j'ai une mission, il faudrait que j'aille dans cette grotte, récupérer cette fiole blanche. Mais j'ai pas terminé non plus ici. Carte mise à jour. On est dans un petit cimetière. Regardez sur la carte où est-ce qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille apporter le journal de Windelius à Vendôme. Ok. Et si je regarde. Comme ça. J'ai les deux endroits qui sont marqués sur la carte. Ok, il faut que je sorte. Entendez mes prières, fils d'Akatosh. Et accorder la paix à ses âmes. Une petite sorcière. Les villageois m'appellent. Ah oui, je t'ai déjà parlé à toi. Zin. J'étais l'un des meilleurs soldats de l'armée. J'en doute pas. voilà, on va aller par là. Je crois que c'est par ici. Ah non, je me suis complètement loupé. Aventus Arantino. Je vais d'abord faire ça, apporter le journal. Vous avez vu comment. Ah, le mec il est pas content de sa vie, il a qu'à déménager. Hein. Désolé.
Non, mais non, c'est pas là. En fait, il est pas dans la ville, Aventus. Je suis bête. C'est quoi ce truc? Ah, c'est au-dessus. Je vois en bidon ou quoi? Comment je rentre là-dedans? Deux fois que je fais le tour. Ah, par au-dessus apparemment. Un peu de feu. Voilà. Ah, c'est pas trop tôt. Alors c'est vrai ce que tout le monde dit? Aventus Aretino, il est en train de faire le sacrement noir? La confrérie noire? Où est-ce qu'il est? Eh, c'est pas possible. Je suis un putain de noob. Ah voilà. Non, mon garçon, attends. Cette enfant, cette maison, ils sont... Donc là, on rentre dans la maison d'Aventus Aretino. Mère adorée, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Mère adorée, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Mère adorée, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Salut. Est-ce que ça va? Ça a marché! Je savais que quelqu'un viendrait, je le savais! C'est qu'un gamin? J'ai fait le sacrement noir des centaines de fois. Avec le corps et les machins. Et vous voilà, un assassin de la confrérie noire. Je regrette petit, mais je ne suis pas qui vous croyez. Bien sûr que si. J'ai prié et vous voilà. Et maintenant, vous allez accepter mon contrat. Un contrat? Ma maman, elle est morte. Je suis tout seul maintenant. Alors ils m'ont envoyé dans cette horrible orphelinat. Honorem. La directrice est un démon cruel. Il l'appelle Grélode la douce, mais elle est pas douce du tout. Elle est horrible avec nous. Je me suis enfuie et je suis revenue à la maison. C'est là que j'ai fait le sacrement noir. Vous êtes là maintenant. Vous allez tuer Grélode la douce. Ok. Tu m'as l'air... Faites vite, pitié. Franchement, c'est un peu triste ici tout seul. Même... Je déteste Honorem. Mes amis me manquent. Ok. C'est l'orphelinat Honorem, à Fayez. J'ai pas appris grand chose, hein. J'ai pas appris grand chose avec ce gamin qui veut que je tue une nana. Qui veut que je tue qui? Carte du monde. Mentor, fort d'hiver, aube étoile, sanctuaire de Primarbor, tour de Waldheim. Donc ça, c'est la fameuse grotte oubliée. Là maintenant, je veux apporter le journal de Windelus avant de... Pourquoi ça apparaît pas sur...
je suis bien à Vendôme. C'est quoi ça? Ah, c'est, il faut que je retourne en fait, ok. Non, faut que je fasse l'aller-retour. Bah, dis donc. Ça a pas trop de sens là, le. La mission. Récupérer la fiole blanche, la femme immense. Tuer Relo de la Douce, la mère. Faut que je tue la. Là. Ouais, non. C'est pas sympa. On va voir si l'orphelinat, où est-ce qu'il est. La fin de l'innocence. Les villageois m'appellent. Parce que. Ah oui. On sort de Vendôme. Et. On sort de Vendôme et on va. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais à la grotte qui est juste à côté? Que je vais faire, je vais terminer le la petite quête, pardon, et je vais faire un voyage rapide. Déplacement rapide vers Fort Ivar. De cette manière, je termine cette petite quête là. Et je retourne à Vendôme. Quand on dit que les temps de chargement sont un peu longs, c'est un peu vrai quand même. Hein. Donc là, il fait nuit. Encore une fois, si vous savez pourquoi ils me disent tout ça. Pourquoi j'ai pas l'air dans mon assiette? Vous ne ressemblez pas à un pèlerin. Ce serait parfait. Vous voulez une chambre, un verre? Il suffit de demander. J'ai trouvé ceci à l'intérieur du tas. Faites-moi voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça n'était qu'une invention de ce Vindelius. Comment avons-nous pu être si stupides? Vous avez pris soin de lui. La moindre des choses est de vous offrir quelque chose. Si vous n'acceptez pas cette récompense, voyez-la comme un cadeau. Ok, nickel. Vous avez entendu des rumeurs dernièrement? Vous avez vu l'hôtel d'Azura? On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui Morrowind. Ça vaut le détour. Allez à l'hôtel d'Azura. Ok. Si vous repassez par ici, ça marche. Un elfe qui dort, je vais pas le réveiller, ce serait pas sympa. Bon, c'est reparti. On va retourner où ça? À Vendôme. Ah, faut que je sorte peut-être.
fait beau. Un garde. Un homme approché, l'arme sortie. Ok, c'est bon, je le rentre. Retournons vite fait à Vendôme. Et c'est parti. Désolé de vous faire attendre. Nous voilà à Vendôme, nickel. Et donc je pense que je vais faire la... Je vais faire la grotte. On va sortir et on va faire la grotte. Donc là on se les caille bien comme il faut. Oups. Je visite. La grotte, il me semble... Ah, c'est super. La grotte, elle doit être par là-bas. Pas du tout. Elle est dans l'autre sens. Givre bois. Je prends mon arc. Enfin, je l'avais déjà. On sait jamais. Ok, toi tu vas prendre ton coup. Voilà. Il n'y a pas d'or dans ces loups. On dirait qu'il y a un moulin par là-bas. Je peux pas récupérer mes flèches, c'est dommage. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Là, je vais activer la mission. Et je vais activer la fiole blanche. Sinon, ça marche pas. Des fois, je peux activer, parfois non. Ah. Il y a un monsieur là. Wow. Le mec s'est fait 2000 odons. Vieil orc. J'attends de mourir avec dignité. Pourquoi voulez-vous mourir? Mon heure est venue.
Je suis vieux. Trop vieux pour devenir chef. Ça ne serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge. Alors il me faut mourir. Malakat m'a envoyé une vision dans laquelle je mourrai glorieusement. J'attends ici qu'elle vienne à moi. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas encore arrivé. En effet, je suis encore en âge de mourir au combat, comme tout homme qui se respecte. Les orques ne sont pas comme ces nordiques ou ces impériaux qui continuent jusqu'à ce qu'ils soient grisonnants et faibles et que leurs cheveux tombent. S'accrocher à quelque chose qui a fait son temps est inconvenant, et plus encore quand il s'agit de sa propre existence. Une bonne mort ? Oui. Si je m'allongeais pour mourir, Malakat ne serait pas satisfait. J'ai pas trop envie de me... Enfin bon. Peut-être. Vous croyez ? La réflexion, peut-être. Vous devriez partir. Je ne voudrais pas laisser passer une belle mort à cause de vous. Donc en gros, si je veux... Je peux tuer... Je prends l'œil de ce Smilodon. Donc là, ça serait une quête, ça serait de tuer ce gars. Mais je sens bien que ça va être galère encore. Oups. J'ai un débile avec ma... Donc là, on arrive où? Qu'est-ce que c'est que ça? Petit village. Un moulin. Tiré d'hangar. Ok. Les étrangers causent toujours okay. Des problèmes. Ok, t'as pas l'air content, toi. Je vais voir si je peux utiliser la meule. On va voir ce que je peux faire. Chose de nouveau. Elle est où cette vieille grotte? Oh, campement de quoi? Pour dormir un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Récolter bernache nordique. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Des crabes. Ben, on aura tout vu dans ce jeu. Hein. On se battra avec des crabes. N'importe quoi. C'est quoi ces trucs? Hop. Ok. Voilà. Chitine de Vassar. De Vassar, je sais pas ça. Alors là, on a vraiment tout vu. Hein. Je m'attendais pas à celle-là. Se faire attaquer par des crabes, c'est quand même génial. Je trouve ça que dans Skyrim. Hein. Alors, j'ai l'impression que je suis sur la bonne. On voit le vent qui souffle. J'approche de la crotte là, je devrais plus être très loin. Ou si. Regardons vite fait.
En fait, je suis pas du tout sur la bonne route. Ok. Et ben, on va redescendre. Ok, il y a des loups. Et le papa qui arrive. Très mal pris hein, pour celui-là. C'est un peu la honte même. Est-ce que je peux récupérer ma flèche? Non. Ok. J'ai loupé un truc là-bas, on va aller voir ce que c'est. Et là, ok. Vis des cimes. Ok, Black Sad. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a un mausolée. J'ai pas l'air de pouvoir l'ouvrir encore. Je me demande si je peux avoir un lapin. Non, va trop vite. Pas où je suis. Bon. On se balade, hein. Il y a un peu de courant qui m'emmène. Là, c'est bien fait. C'est un peu saccadé, mais on s'en rend bien compte. J'ai vu un loup là-bas. Magnifique. Magnifique. Oh, c'était un beau tir.
pas mal. C'était quoi ça? Oh, c'était juste un petit renard. Dommage. Je dois plus être très loin de cette fameuse grotte quand même. Voilà, oui. Elle est juste derrière moi. Ah d'accord. Oh. Il est malin, il m'attaque sur le côté. Ok. On va récupérer. Je récupère ma flèche. La grotte, ça a l'air d'être ça, hein. Oh, grotte oubliée, nouvelle découverte. Mais écoutez, je propose que le prochain épisode se passe dans cette grotte qui fait bien flipper. Donc je vais sauvegarder et je vous dis à bientôt. Ciao.